Ich bin ein Berliner. Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Retour aux sources. Nous allons nous intéresser ce soir à une période singulièrement trouble, celle de la guerre froide. En 1990 était découvert un réseau ultra secret de renseignement et de résistance coordonné par l'OTAN, les Stay Behind. La plupart des pays de l'Europe de l'Ouest en possédaient chacun une branche particulière. Mais à peine ces cellules découvertes, on les suspecte d'activités terroristes, d'idéologies fascistes, voire néo-nazies et autres accusations gravissimes. En Belgique, on imagine même un lien possible entre Stay Behind et tueurs du Brabant. Mais chez nous comme ailleurs, le mystère reste presque entier et seule la section italienne du nom de Gladio a commencé à livrer quelques clés. Entre ambiance James Bond et tragédie réelle, le documentaire de ce soir s'intitule « Au cœur de la guerre froide, les hommes de l'ombre ». Il est signé Lucio Mollica et il est coproduit par la RTBF. Excellente soirée. La Soviet Union a carried on the most massive military build-up the world has ever seen. Destinée à chasser la monarchie et à mettre en place un régime pro-soviétique. Where the pro-Soviet regime has been replaced by a government even more friendly to Moscow. Pendant la guerre froide, des milliers d'agents en sommeil étaient prêts à entrer en action au cas où l'armée rouge aurait occupé l'Europe occidentale. Un réseau paramilitaire de l'OTAN, le Network Stay Behind, connu depuis 1990 par le nom de sa section italienne, Gladio. Nous sommes montés dans le minibus. Les vitres étaient teintées et nous avons roulé jusqu'à l'aéroport militaire. Je suis monté dans une Jeep et je suis arrivé devant une caverne dont les portes se sont ouvertes. C'était du James Bond. Nous nous sommes dit que parmi les agents, peut-être que l'un ou l'autre avait une motivation telle qu'ils avaient envie de passer à l'action. Dans ce film, pour la première fois, nous rencontrerons les agents qui étaient derrière les lignes de la guerre froide pour découvrir leurs objectifs et les secrets qui sont restés cachés dans l'ombre de Stay Behind. Fin septembre 1985, une bombe a été placée dans la piscine. L'explosion a retenti durant la nuit. Le poseur de bombe est monté sur le toit, a mis la bombe près d'une trappe, la bombe a explosé, l'onde de choc s'est dispersée à travers toute la piscine, c'est pourquoi les dégâts ont été aussi importants. Au milieu des années 80, le Luxembourg est dévasté par une série de plus de 20 attentats. Il n'y a ni morts ni blessés, mais les bombes sèment la panique parmi les habitants de ce petit État au cœur de l'Europe. Les gens étaient en état de choc. Tout le monde parlait des explosions et s'attendait à d'autres bombes. Cela fait 30 ans depuis les attentats du Luxembourg. Et c'est ce procès qui a réouvert les enquêtes sur Stay Behind. Selon un témoin, un citoyen allemand, Andreas Kramer, les explosions du Luxembourg seraient l'œuvre de ce réseau anti-invasion de l'OTAN, connu aussi sous le nom de Gladio. Kramer a dit des choses terribles. Il a dit que les Allemands étaient présents au Luxembourg, le BND.
Il a dit que son papa était un gladio. Il a dit que les explosifs ont été volés par eux-mêmes dans les carrières. Cram a répété à plusieurs reprises, sous la foi du serment, ces graves accusations. Personne ne l'a cru. Le procès au Luxembourg a lancé des ondes de choc à travers l'Europe. À Berlin, une députée du Bundestag a demandé au gouvernement des informations sur les activités de Stay Behind dans l'Allemagne de l'Ouest. En 1991, j'avais déjà transmis une première question sur Gladio au Parlement, car à ce moment-là, le soupçon que Gladio ait été impliqué dans l'explosion à l'Oktoberfest existait déjà. Et aussi parce qu'il existait des soupçons concernant l'attentat de Bologne et aussi des attentats dans de nombreux autres États de l'Union européenne où ces structures paramilitaires étaient actives. Treize personnes ont été tuées dans le massacre de l'Oktoberfest en 1980. Y compris le responsable de l'attentat, le néo-nazi Gundolf Köhler. Aujourd'hui encore, des ombres planent sur les événements. À présent, le procès qui a lieu au Luxembourg m'a poussé à transmettre à nouveau une question au gouvernement fédéral. Pourquoi les services secrets n'ont-ils jamais fait la clarté sur ce point? Pourquoi les citoyens ne peuvent-ils toujours pas recevoir des informations sur Stay Behind? La Belgique aussi a connu dans les années 80 sa vague de terreur à travers une série de hold-up d'une extrême violence qui ont provoqué 28 morts entre 1983 à 1985. Presque 30 ans se sont écoulés depuis la dernière attaque, l'assaut du supermarché de l'Est de Alst. Les coupables, eux, n'ont toujours pas été identifiés. Et avant que l'enquête ne tombe sous le coup de la prescription, les magistrats insistent pour connaître les noms des agents de Stay Behind en Belgique. La constellation Stay Behind est quelque chose qui intéresse, compte tenu aussi de la nature des faits, de la manière dont certains faits ont été commis, qui sont des faits, quand on voit certaines attaques, sont commises quand même avec des techniques quasi militaires. Alors l'hypothèse Stay Behind, nous voudrions évidemment pouvoir la creuser un peu davantage, c'est-à-dire connaître le nom des Stay Behind belges. Des soupçons de malfaisance pèsent sur le réseau Stay Behind depuis qu'il a été dévoilé en 1990. Même si l'Union soviétique n'existe plus, Stay Behind reste un mystère. Jusqu'à présent, l'OTAN ne dit mot. Les archives restent sous scellés, les agents anonymes. Albert Raas a dirigé un des deux réseaux Stay Behind en Belgique, le pays où tout a commencé. Et pour la première fois, il accepte d'en parler. Le 10 novembre 1942, les membres très jeunes d'une troupe scout avec leur aumônier ont été fusillés par les Allemands parce qu'ils étaient concernés et impliqués dans un réseau de renseignement embryonnaire. Ils n'avaient pas beaucoup de formation. Ils étaient évidemment très enthousiastes, mais sans écolage, sans équipement. Et de cette façon-là, ils ont été très, très vite identifiés, arrêtés et condamnés à mort. C'était vraiment le argument principal pour essayer, après les hostilités, de créer des organisations « stay behind », c'est-à-dire le renseignement derrière les lignes pour éviter ce genre de tragédie. Durant l'invasion des Ardennes, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les résistants belges avaient mis en difficulté les troupes nazies en retardant leurs manœuvres ou en les attirant dans des embuscades. Par exemple, par des actions de sabotage aussi simples qu'intervertir des panneaux de signalisation. Après la chute d'Hitler, Churchill propose au gouvernement belge de créer et d'entraîner un nouveau réseau de résistance. Il est convaincu qu'un nouveau conflit va commencer. En particulier du côté du gouvernement britannique,
il y avait immédiatement, après la fin des hostilités, il y avait cette appréhension, si je puis dire, que sous le couvert, l'Union soviétique avait son propre programme d'expansion, n'est-ce pas ? Les premières années qui suivent la fin de la guerre semblent confirmer la prophétie de Churchill. Les pays de l'Europe centrale et de l'Est tombent les uns après les autres sous le contrôle de l'Union soviétique. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Mais le rideau de fer pourrait bien vite se déplacer plus à l'ouest. Craignant une attaque et occupation soviétique, les pays de l'Alliance Atlantique commencent à préparer leur résistance. L'objectif est de laisser derrière les troupes qui sont parties des agents qui pourront mener des opérations sur les arrières de l'armée ennemie. Donc, stay behind, rester derrière. Le projet est lancé d'abord en Belgique, un pays stratégique en raison de ses ports sur l'Atlantique, mais aussi vulnérable en cas d'invasion. L'idée était donc d'utiliser l'expérience de ceux qui avaient fait la résistance pendant la guerre, après cette guerre, pour aider la Belgique et l'OTAN, qui est née en 1949, à se prémunir et à se préparer. Le concept de « stay behind » n'est pas une idée originale de la guerre froide. Il a un parrain bien moins noble que Winston Churchill. Durant les derniers mois de la guerre, Heinrich Himmler, le ministre de l'Intérieur d'Hitler, avait recruté des civils afin qu'ils agissent derrière les lignes ennemies. Ce projet est appelé Werwolf. Outre l'attaque des forces alliées dans les territoires occupés, le Werwolf servait avant tout à éliminer, à liquider les traîtres. Verräter in den besetzten Gebieten zu beseitigen, zu liquidieren. Durant sa retraite de Russie, le général nazi Reinhard Gehlen avait laissé derrière lui un réseau d'agents. Le proverbe dit « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Et une fois la guerre terminée, c'est à Gehlen que les Américains demandent de former les services secrets et le « stay behind » allemand. Ainsi, naît l'organisation Gehlen, qui n'hésite pas à recruter des criminels de guerre nazis pour combattre le communisme. On ne peut pas envoyer 8 millions de membres du parti quelque part dans le désert. Cependant, il fallait séparer le grain de l'ivraie, exclure les criminels. Mais ce procédé entrepris dans tous les appareils de l'État en Allemagne n'a pas été suivi par l'organisation Gehlen, qui était financée par les Américains avant même la fondation de la République fédérale. Elle a donc eu cette grave lacune dès le départ. Alors qu'en Amérique, le début des années 50 est celui du McCarthyisme, le cauchemar rouge de l'Europe est celui d'une attaque militaire soviétique. Une peur qui ne diminue pas quand au Kremlin, c'est Khrouchtchev qui prend la place de Staline. Pour la première fois, les agents des réseaux Stay Behind sont mobilisés. Cela se passe à Trieste en 1953. Ici, la frontière est à 1000 mètres, donc elle est très proche de cette zone. Aujourd'hui, il est impossible d'imaginer comment nous nous sentions à l'époque. C'était une frontière de la peur. De chez moi, les partisans de Tito étaient vus comme le mal absolu. Après la Seconde Guerre mondiale, Trieste est comme Berlin, une ville divisée. Le secteur A est confié aux troupes anglo-américaines. Le secteur B à la Yougoslavie. Mais quand la ville est restituée à l'Italie, Tito menace d'attaquer.
Le danger d'une invasion venant de l'Est était incontestable, et cela nous hantait. D'anciens résistants qui avaient combattu contre les nazis reçoivent l'ordre de se placer à des endroits stratégiques le long de la frontière, prêts à réagir en cas d'invasion. Je me rappelle qu'en passant en train, on voyait les abris, les bunkers, les soldats prêts à repousser une attaque. Il n'y a pas eu d'attaque. Mais la répression de la révolte de Budapest présage ce qui pourrait rapidement survenir en Europe occidentale. Le projet Stay Behind devient une priorité stratégique. L'objectif des réseaux Stay Behind donc, est double. Le premier, c'est d'organiser des filières d'évasion pour faire évader qui ? Pour faire évader toutes les personnes indispensables au fonctionnement d'une nation. Le deuxième pôle d'un réseau Stay Behind, c'est le réseau Action. Donc il y a là de la propagande, il y a là des sabotages, il y a là du combat. Après les événements de Budapest, le projet Stay Behind s'étend de la Belgique à toute l'Europe de l'Ouest. 50 unités sont recrutées en Norvège, 150 en Allemagne, plus de 600 en Italie et carrément 3000 en France. Les réseaux Stay Behind sont indépendants, mais reliés entre eux. Ils sont entraînés de la même manière par les services britanniques. Ils sont en contact par radio et les chefs nationaux se réunissent périodiquement en comité clandestin à l'OTAN pour échanger idées et expériences. L'OTAN n'était pas aux commandes. Disons que l'on met 10 personnes dans une pièce en leur demandant de réfléchir à la façon de mettre en sûreté leur famille en cas d'intempéries ou d'inondation. Chaque famille y réfléchirait pour elle-même. Mais puisque la communication avec les autres familles est également nécessaire, il faut un poste de coordination. Mais ce poste de coordination ne commande pas. Il n'a aucune force de décision sur les mesures à prendre, sur les règles qu'adopte chaque famille ou chaque pays. La peur d'un conflit militaire Est-Ouest est telle qu'à partir des années 50, même la très neutre Suisse développe un réseau anti-invasion. Il existera jusqu'en 1990 sous le nom de code P26. À propos des gens de la P26 hein, qui appartenaient à cette organisation ou qui la dirigeaient, j'aimerais dire qu'ils m'ont tous donné l'impression d'être des gens qui voulaient faire quelque chose de positif pour leur pays. Ce n'étaient pas des fascistes, c'était un peu « middle of the road hein, », donc milieu de la route, monsieur et madame tout le monde. Comme tous les Stay Behind, la P26 est top secret. L'organisation est si secrète que même le ministre de la Défense n'en sait rien ou presque rien. L'unique contrôle politique est confié à un comité restreint de parlementaires. Jusqu'à sa dissolution, Jacques-Simon Aigli en a été membre. J'ai été appelé un jour par le chef de l'état-major général qui m'a dit, monsieur le conseiller national, puisque j'étais député, est-ce que je peux vous demander quelque chose ? Je vais vous faire une offre. Si vous refusez, on n'en parle plus. Je vous demande simplement de ne pas en parler. Je lui ai dit d'accord. Un jour, on est venu me prendre en hélicoptère à Berne. Et puis de Berne, on m'a emmené en hélicoptère à Gstaad. Et puis à Gstaad, je suis monté dans une jeep et je suis arrivé devant une caverne dont les portes se sont ouvertes. C'était du James Bond. Les entraînements de la P26 se déroulent dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale, dissimulé parmi les villas de luxe de Gstaad.
Chaque membre connaissait cet endroit où nous nous trouvons à présent, le Schweizerhof. Là, on leur donnait une cellule où ils dormaient et mangeaient. Ils travaillaient souvent à des tâches qu'on leur confiait. Et quand ils sortaient dans le couloir, ils devaient se mettre une cagoule de terroristes, parce que personne ne devait les reconnaître. Quand je suis arrivé, on m'a d'entrée de cause mis dans une chambre, très bien équipée d'ailleurs, et où on m'a demandé de regarder la télévision. La télévision, je l'ai allumée, et il y avait effectivement le chef de l'armée de l'époque qui nous donnait un message et qui nous disait que c'était une structure qui avait été acceptée et décidée par le Conseil fédéral et dont les objectifs étaient de réussir, si la Suisse était sous l'emprise d'un ennemi, de résister. L'instructeur était en habit civil tout à fait normal et il m'a donné son nom de code. C'est ce nom par lequel je l'ai appelé par la suite. Et c'est là qu'on m'a donné mon nom, Guy. Alors bon, ils apprenaient à coder et décoder des messages, à faire des transmissions. Ils apprenaient justement comment détecter si on est suivi, comment lâcher des poursuivants dans une ville ou ailleurs. Il y avait aussi quelques autres exercices un peu plus militaires. Ils étaient organisés en 80 régions, des petites cellules, des petits groupes d'environ 5 ou 10 membres. Les groupes étaient organisés dans le lieu de résidence de leurs membres. Donc, dans la zone qu'ils connaissaient bien et qu'ils auraient pu utiliser en cas d'urgence pour tout type d'action et aussi pour des actes de sabotage. La P26 ne fait pas partie du réseau Stay Behind, mais l'organisation est structurée de la même manière. C'est aussi les services britanniques qui s'occupent de l'entraînement des instructeurs suisses. Après la découverte du réseau, une enquête spéciale a été effectuée pour vérifier s'il y avait eu violation de la neutralité de la Suisse et de ses lois. Je l'admets maintenant après coup, même si je continue à dire que l'idée était légitime, que l'idée était bonne et qu'il n'y avait pas de risque, contrairement à tout ce que les gens, notamment à gauche, à l'extrême gauche, ont dit, je reconnais que les précautions de procédure et de contrôle n'étaient pas suffisantes. Mais durant les années de la course aux armements, de l'expérimentation nucléaire et de la conquête spatiale, le respect des garanties démocratiques est considéré comme un luxe auquel on peut facilement renoncer. L'existence d'un projet Stay Behind a un sens seulement s'il est absolument top secret, même à l'intérieur de sa propre structure. Dans un réseau, chaque gladiateur ne connaissait qu'une ou deux personnes, qui à leur tour en connaissaient une ou deux autres. Donc il n'est pas dit que dans un réseau de 5 hommes, le 5e homme connaisse le chef de réseau. Durant la période où j'ai commandé le Gladio, je crois avoir rencontré à peu près tout le monde. Ces gens croyaient en ce qu'ils faisaient, croyaient en ce qui leur avait été dit. C'est-à-dire qu'ils devaient œuvrer pour la défense du pays, qu'ils ne devaient s'attendre à rien. La seule chose sur laquelle ils pouvaient compter, c'est que leur nom ne serait jamais divulgué. Le réseau italien Gladio est jusqu'à présent le seul à avoir révélé les noms de ses agents. Parmi eux, il y a des enseignants, des ingénieurs, des chasseurs et des bûcherons. Ils appartiennent à la classe moyenne, sont anticommunistes et surtout au-dessus de tout soupçon.
Qui m'a contacté ? C'est un ancien commandant de la résistance qui m'a contacté. Il m'a dit, écoute, je sais qu'il existe. En fait, d'une certaine manière, j'y ai contribué. J'en fais partie depuis le début. Une organisation de l'État, des forces armées qui s'occupent de préparer des gens en les spécialisant dans l'activité clandestine en territoire occupé. Cela m'a convaincu et j'ai dit oui, en principe. La chose étrange, c'est que tout à coup, ma concierge m'avertit que des carabiniers étaient venus se renseigner. Dans le sens où ils posaient des questions sur mon compte, comment j'étais, comment je me comportais. Et puis au cours des années suivantes, je compris que c'était certainement une procédure standard. Que ce n'étaient peut-être pas des carabiniers, que c'était peut-être des agents des services secrets. L'instruction qui m'avait été donnée était celle de me présenter dans un bar précis de la gare de Rome. Nous avons pris quelque chose à boire, puis nous nous sommes dirigés vers la sortie de la gare, et un minibus blanc nous attendait. Nous sommes montés à bord, les vitres étaient teintées, et nous avons roulé jusqu'à l'aéroport militaire. À bord d'un avion aux vitres teintées, les agents sont transférés dans une base secrète en Sardaigne pour l'entraînement. Moi, j'ai eu l'entraînement normal à la défense, avec les armes légères, des armes de combat individuelles. C'était des armes italiennes, des armes américaines. Elles étaient à la base. Nous n'avons jamais porté d'armes à l'extérieur. Ce n'est pas un entraînement au combat, mais une formation à l'espionnage. Les recrues de Stay Behind apprennent la filature, le sabotage, à faire passer des messages codés, ainsi que les règles du combat individuel. Nous vous le disons sans mâcher nos mots. Si demain vous devenez actif et que vous êtes pris par le KGB, il n'y aura aucun espoir pour vous. Vous mourrez d'une atroce manière. C'est choquant, mais on se dit, eh bien coûte que coûte, c'est quelque chose que je dois faire. Le futur chef de réseau est instruit et entraîné dans la création, l'exploitation, la direction d'un réseau de renseignement classique pendant des opérations de guerre. La tâche principale était de recueillir nos pilotes tombés en territoire occupé. Parce que, comme ils ont pris soin de nous expliquer, alors qu'une division blindée peut être mise en place dans les 3 mois, il faut 5 ans pour former un pilote de chasse. L'activité la plus importante est celle de l'exfiltration. Faire rentrer et sortir des hommes et des objets d'un territoire occupé. Donc là, on est forcément sur des exercices internationaux, parce qu'on doit permettre à un réseau d'un pays d'agir en cohésion avec le réseau d'un autre pays. Bon, on a fait des exercices avec des services alliés, avec les Français, les Anglais, les Américains, avec beaucoup de services alliés. Par exemple, d'infiltration par voie aérienne. Cela voulait dire que les Alliés venaient avec un avion et parachutaient un objet, ou s'ils venaient en hélicoptère, débarquaient une personne sur notre territoire. Et les agents savaient donc tel jour, à telle heure, à cet endroit, il y aura un avion qui va passer et qui va parachuter un objet. Alors, ils se trouvaient en place, ils avaient une petite lampe de poche et c'était très, très précis.
la personne à exfiltrer était prise en charge par un agent et conduite dans une maison sûre avant d'être confiée à un autre agent, comme dans une chaîne humaine. Stay Behind était tellement bien implanté à travers le territoire qu'en utilisant ce système durant un entraînement international, ils ont réussi à transporter deux agents secrets du pôle Nord à la Sardaigne. L'Union soviétique a aussi ses propres réseaux secrets en Europe à utiliser en cas d'attaque. Les Spetsnaz. Hommes et femmes qui vivent cachés dans les pays occidentaux, entraînés pour préparer l'invasion. Ce sont des réseaux totalement dormants. Et ils doivent attendre l'arrivée des troupes soviétiques pour se mettre en avant, pour agir sur l'avant des troupes soviétiques. En cas d'invasion, les Russes auraient d'abord envahi l'Allemagne de l'Ouest. Oui, nous connaissions les plans d'attaque qu'avaient préparés les Soviétiques, dans la mesure où ils pourraient nous être utiles. La première ligne d'attaque était vers le Schleswig-Holstein, puis jusqu'au Rhin et vers Francfort, et à travers l'Autriche vers l'Allemagne du Sud. Les agents savaient que la première chose à faire en cas d'invasion était d'allumer leur radio. On aurait activé nos agents. C'est-à-dire, on les aurait contactés. Et on leur aurait dit, attention, à partir de maintenant, on ne joue plus, ça va être sérieux. L'Union soviétique va nous envahir. Nous, on va correspondre, on va communiquer avec vous par poste radio. Et puis, on aurait rejoint une base en zone libre. Le moment de l'activation est un moment terriblement redouté, auquel, à mon avis, nous pensions tous. J'avais mis en place le démantèlement immédiat, des lieux sûrs à atteindre, déjà identifiés, et jamais communiqués à qui que ce soit. Les agents savaient qu'il y avait une cache d'armes, mais ils ne savaient pas où. Encore, en cas d'occupation, et si besoin en était, on aurait informé les agents. Et vous trouvez des armes là, à cet endroit. Allez creuser là-bas, vous les trouverez. Voilà, ici nous sommes dans le bunker que deux gamins ont trouvé en 1972, dont le nom de code était Nasco. Il contenait plusieurs choses, des explosifs, des mitraillettes Sten, des pistolets Star espagnols, des détonateurs, l'équipement typique d'une guérilla. Ceci sont les photos originales des dépôts enterrés par Gladio dans les forêts du nord de l'Italie, dans les églises ou même dans les cimetières. Ils contiennent des bombes et des fusées, des lingots d'or et des médicaments. Tout l'équipement d'une cellule de résistance. Mais si une invasion avait vraiment eu lieu, le Stay Behind aurait probablement été démantelé en quelques heures, du moins en Allemagne,
où la Stasi avait réussi à intercepter les communications entre les agents du réseau allemand. Ici, on peut facilement démontrer qu'il existait un contact radio qui partait de la centrale du BND à Poulard, en Bavière, vers l'Italie, en Sardaigne. Le contenu de ces rapports radio n'est hélas pas connu. Mais cela aussi pour échanger si le service fédéral de renseignement allemand rendait ses documents publics et s'il rendait possible une vision plus approfondie de ces structures. Les documents de la Stasi peuvent donner des informations sur le nombre des agents, les Überrollagenten qui étaient actifs sur le territoire de la République fédérale dans les années 80 ou même avant. En ce qui concerne l'espionnage de la DDR, nous étions pleinement conscients de la menace. C'était pour ainsi dire notre pain quotidien, et il fallait s'exercer pour ça. En effet, les agents devaient avoir sur eux le moins de documents écrits possible, et ils devaient savoir utiliser les appareils de transmission de la manière la plus prudente et la plus sûre qui soit. Dans ses rapports sur les activités de Stay Behind, la Stasi souligne la nécessité en cas de conflit d'éliminer les agents et mentionne au moins un cas où les réseaux ont été impliqués dans l'exfiltration de l'Est vers l'Ouest. En effet, la Stasi a aussi réussi à dresser avec précision la carte de toutes les cellules de Stay Behind. En ce qui concerne l'aspect militaire, en examinant la position des cellules, on peut dire exactement que ces agents de Stay Behind étaient divisés en deux lignes. Donc, on peut dire sans aucun doute que l'OTAN ou le Bundesnah Richtendienst ont pensé à environ deux vagues en cas d'attaque. Et les agents seraient devenus actifs après que l'armée russe aurait dépassé ses lignes. D'après les cartes de la Stasi, nous voyons aussi qu'un des réseaux était à Lüneburg, où en 1981, un dépôt d'armes appartenant au néo-nazi Heinz Lemke a été retrouvé. Ce matériel n'était pas en mauvais état. Il était original, empaqueté de manière vraiment professionnelle. Cela signifie qu'il était protégé du vent et des conditions climatiques, de l'humidité, du froid, de la chaleur. Il était à l'abri de tout et aurait pu rester là de nombreuses années. Toutes ces caisses étaient militaires, et la question se pose de savoir comment Heinz Lemke, qui était à l'époque garde forestier, avait pu payer tout ce matériel, ou il avait pu se le procurer. Lemke est parmi ceux qui étaient soupçonnés d'avoir fourni les explosifs utilisés lors du massacre de l'Oktoberfest. Mais il n'a pas eu le temps de s'expliquer. Peu après son arrestation, il s'est suicidé dans la prison où il était détenu. Je suis certain que Heinz Lemke n'était pas un agent de l'organisation Stay Behind allemande, parce qu'il n'avait pas les qualités requises. En effet, dans ce domaine, les services secrets devaient être particulièrement méticuleux et exclure dans tous les cas les personnes qui avaient une opinion politique extrémiste ou des activités de ce genre. Cet homme n'avait pas pu être recruté pour Stay Behind. Mais même la fin de la guerre froide, qui rend inutile l'existence de Stay Behind, ne permettra pas de déterminer s'il existe des liens entre le réseau et les néo-nazis allemands. La chute du mur de Berlin n'a pas mené à la déclassification de tous les dossiers. De fait, Stay Behind serait probablement resté secret si le gouvernement italien n'en avait pas révélé l'existence en 1990. On a aboli les structures Stay Behind, c'est-à-dire on a enlevé le matériel aux agents et on a remercié les agents parce qu'ils étaient courageux et parce qu'ils offraient leur temps libre à l'instruction, parce qu'ils étaient volontaires pour aider le pays. Mais en Italie, le pays qui a révélé l'existence de Stay Behind, personne ne remercie les agents pour leur patriotisme. Ils sont au contraire accusés d'avoir participé à certains des massacres qui, durant les années de plomb, ont fait couler des rivières de sang et provoqué une centaine de morts.
Il fallait mettre Gladio en lumière. Parce que son ombre cachait d'autres structures spontanées ou qui étaient déviantes, qui pouvaient avoir opéré à cette époque. La révélation du gouvernement italien entraîne un effet domino quand on découvre que chaque pays de l'Europe de l'Ouest a son stay behind. C'est le début d'une intrigue politique internationale. Pratiquement tous les pays ont fait des reproches à l'Italie, nous accusant d'avoir révélé un secret de l'OTAN. Et je parle des Américains, des Anglais, des Français, qui ont refusé à partir de ce moment-là de discuter avec nous. La découverte de l'existence d'une armée secrète au cœur de l'Europe fait sensation dans les appareils d'État. Surtout en Belgique, où il existe deux réseaux. L'un qui dépend de la sûreté de l'État et l'autre de l'autorité militaire. Le service stay behind en Belgique existait bien, bien sûr, était excessivement cloisonné, était probablement le secret le mieux tenu de tout l'État belge. Au moment où l'affaire Gladio a éclaté, on a ressenti un très grand malaise dans certains partis, et notamment dans le chef du ministre de la Défense socialiste de l'époque, qui a essayé de nier sa connaissance de l'existence de ce réseau. Le Sénat belge crée une commission pour enquêter sur le stay behind. Je me rappelle qu'à trois reprises, un des commissaires de la commission parlementaire m'a demandé de donner le nom. La première fois, j'ai dû répondre « niet ». La deuxième fois, j'ai encore une fois répondu gentiment « niet ». Et la troisième fois, j'ai dit « nichevo ». Et ça, elle avait compris. J'ai demandé à cette commission parlementaire, plutôt que de continuer à calomnier ces gens-là, qui devaient plutôt envoyer une lettre de remerciement pour les remercier, ils n'ont pas donné suite. Ces hommes n'ont pas hésité à se servir d'un arsenal d'armes étonnamment meurtrières. Ce sont des hommes dangereux qui semblent tirer avant de discuter. Le soupçon le plus grave qui pèse sur Stay Behind est celui d'avoir été impliqué dans une série de hold-up qui ont causé la mort de 28 personnes dans le Brabant entre 1983 et 1985. Les faits sont troublants, car les voleurs semblent préférer faire couler le sang plutôt que récolter leur butin. Par exemple, dans la toute dernière attaque, les gens sont tués avant même que les bandits ou les tueurs arrivent aux caisses pour prendre l'argent. C'est vraiment, on commence par tuer et puis on va effectuer le vol. Mais on tue des gens qui n'ont rien à voir avec le magasin, qui ne sont pas non plus des agents de sécurité. Ce sont des gens qui, pour leur grand malheur, allaient faire leurs courses ce samedi soir-là. De deux choses l'une, ou ce sont des bandits psychopathes très habiles, ou bien ce sont des terroristes. Puisque, au-delà des vols et des butins qu'ils ont obtenus, ils ont eu comme conséquence, ou il y a eu pour effet, de créer dans le pays une très très vive tension. Et donc l'idée qui a germé et sur laquelle on a travaillé les enquêteurs de leur côté, les journalistes d'un autre côté, c'était effectivement, est-ce que ces actions ne sont pas là pour essayer de renforcer l'appareil sécuritaire de l'État en disant, ben il est trop faible, il faut qu'on ait un meilleur appareil sécuritaire, d'autant plus qu'on était dans ce mouvement pacifiste qui en Belgique a été extrêmement fort. Donc
certains pouvaient considérer que la Belgique était un peu à la fois une place stratégique et un maillon faible dans le dispositif OTAN. Quand nous avons appris en 1990 l'existence de ces réseaux de résistance clandestins, moi, comme citoyen, ça ne m'a pas dérangé du tout. J'ai considéré ça comme de la légitime défense. Mais nous nous sommes dit que parmi les agents de ces services de renseignement souterrains, de ce Stay Behind, peut-être que l'un ou l'autre avait une motivation telle qu'ils avaient envie de passer à l'action pour démontrer plus rapidement la nécessité de renforcer notre système. Mais il n'y a aucun indice qui puisse relier les réseaux anti-invasion de Stay Behind aux tueries du Brabant. Et la magistrature cherche encore des réponses à ces questions. Avec les services de renseignement civil, il y a eu un minimum de collaboration, en ce sens que on a obtenu des prénoms et les premières lettres de certains membres du Stay Behind civil, qu'on appelait le STC-MOP chez nous. Ça n'a rien donné. En ce qui concerne les renseignements militaires, là, nous nous sommes heurtés vraiment à un mur. Et le résultat, c'est que, à la différence d'autres services, comme la police, par exemple, ou la gendarmerie, je suis aujourd'hui incapable de dire s'il y a un agent ou l'autre agent du SDRA-8, donc du Stay Behind militaire, qui est impliqué dans les faits. Les personnages dont j'ai connu l'existence et dont j'ai connu l'appartenance à Stay Behind étaient des personnes d'une très haute qualité morale. Certains étaient aussi des hauts magistrats. Il était totalement impossible qu'il y ait eu un lien entre le Stay Behind et des organisations criminelles, parce que le cloisonnement vertical et horizontal qui encadrait le système Stay Behind en Belgique rendait totalement impossible que quelqu'un puisse y pénétrer de quelque manière que ce soit. Personne encore ne sait si les tueries du Brabant ont été commises par une bande de criminels ou par des terroristes. Mais l'usage politique de la terreur a été l'un des instruments de la guerre froide en Europe. Et encore une fois, c'est en Italie que la lumière sera faite. Il ne faut pas perdre de vue que les structures Stay Behind s'inscrivent parallèlement à toute une série d'opérations montées par les services de renseignement pendant la guerre froide. En Italie, par contre, après 1968, une invasion soviétique n'est pas ce que craignent le plus les services de l'État. Pour eux, le péril rouge est à l'intérieur. La gauche pourrait saisir le pouvoir à travers une insurrection. Alors, Stay Behind ne suffit plus. Une autre organisation qui recrute des membres de l'extrême droite pour qu'ils opèrent sur le front interne est créée. Ainsi naît un Gladio Noir. D'une part, cette organisation avait une série de tâches semblables à celles du vrai Gladio, c'est-à-dire l'intervention en cas d'invasion, etc. D'autre part, elle avait des tâches qui étaient, disons, politiquement opposées à la gauche. La stratégie de la tension éclate le 12 décembre 1969, quand une bombe explose à la Banque nationale de l'agriculture à Milan et tue 18 personnes. La plus récente des enquêtes sur ce massacre a révélé l'existence d'un Gladio parallèle. Gladio, ce ne sont pas des massacres. Gladio, ce ne sont pas des bombes. Ce n'est pas de la subversion. C'est une structure anticommuniste qui naît directement de la guerre froide et qui perd sa fonction avec la fin de celle-ci. Au même moment, quelque chose d'autre est apparu dans les enquêtes milanaises.
une autre structure. Celle-là, oui, totalement illégale, je dirais. Non seulement illégitime, mais radicalement subversive, qui est celle des nuclei de défense de l'État. Alors que le gladio blanc était résolument apolitique, le gladio noir, c'est-à-dire la NDS, a volontairement, ou du moins a accepté, l'infiltration de certains groupes d'extrême droite. Groupes qui ont ensuite été impliqués dans les attentats de Piazza Fontana et dans plusieurs autres attaques terroristes. Et des documents déclassifiés ont prouvé que les États-Unis connaissaient la stratégie du gladio noir. Les Américains étaient tout à fait au courant des projets de la droite italienne. Je crois cependant, en accord avec la stratégie des États-Unis dans les années 60, que c'était vu comme un moment de confinement. Ces groupes n'ont pas été manipulés jusqu'à recevoir des ordres. Mais les services secrets américains et italiens ont pensé en partie que cette série d'attentats était purement démonstratif et sans victime. C'était un moyen de confiner le danger, vu avec bienveillance et sans répression. Un contrôle, une supervision sans répression. Faites comme vous voulez, cela nous arrange. Au Luxembourg aussi, on soupçonne que les attentats des années 80, qui font maintenant l'objet d'un procès, ont été commis par des membres de l'appareil de l'État. Ce sont des agents du FBI qui en ont émis cette hypothèse durant leur enquête sur l'étrange série d'explosions qui a secoué le Grand-Duché. Ils sont venus et peu après, ils m'ont envoyé une réponse avec une description du profil des attentats. Mais notamment, ils disaient que les auteurs des attentats doivent être des insiders. Aujourd'hui, deux policiers de l'unité antiterrorisme sont sur le banc des accusés. Ils étaient nerveux et ils ont trop parlé. Lorsqu'on a demandé à l'un des accusés comment ils avaient fait, il a répondu « c'était facile ». On a déclenché la bombe à retardement et on est parti. Les enquêteurs ont conclu qu'un seul milieu avait profité du crime. La police. Ils ont eu plus d'effectifs, des meilleurs équipements. La police a clairement récolté les bénéfices des actes de terrorisme. Le stay behind n'a aucun rapport avec cette histoire de Bomeléa pendant les années 80. Aucun rapport. On avait au Luxembourg, pour une autre dimension, 10 personnes, 10 agents. Nos agents n'avaient pas de mission de combattant. Ils n'étaient pas entraînés à tirer avec des armes à feu. Ils n'étaient pas entraînés à faire des explosions. D'activer les agents déjà en temps de paix pour d'autres raisons que pour des raisons purement stratégiques. Non, non, jamais, jamais, jamais. L'histoire de la guerre froide ne sera pas complètement écrite tant que l'OTAN et ses membres ne soulèveront pas le secret sur les structures de Stay Behind. De cette façon, nous pourrons faire la lumière sur la nature de ces organisations et éviter que les responsables d'actions terroristes se cachent dans l'ombre. Jusqu'à ce moment-là, tous les soupçons seront permis. Comme celui de penser que quelque part, là où la menace venant de la Russie est encore concrète, les Stay Behind existent encore. On ne sait pas comment demain les choses évolueront. Donc je pense qu'un minimum de vigilance n'est pas faux. Thank you.
Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, un très bon week-end. On se retrouve vendredi prochain sur La Une pour un nouveau Retour aux Sources. Ich bin ein Berliner. La France soulève des montagnes.